Nous allons maintenant parler de besoins et de désirs de citoyens, de plateformes. Il y aura trois discussions différentes sur trois manières différentes d'explorer ces besoins et ces désirs en travaillant sur la conceptualisation de nouvelles plateformes et comment leur donner une allure qui leur faire prendre sens dans leur par leurs différentes formes. Nous allons donc accueillir Stefano, qui est aujourd'hui avec nous, qui travaille comme concepteur chez Continuum et qui est également un stratégiste de design. Je vous souhaite la bienvenue, Stefano Bianchini. J'espère que vous avez bien dîné hier soir. Moi, j'ai vraiment passé une excellente soirée. Et ce matin, il fallait que je sois là à 10 heures, alors j'ai dû rentrer pas trop tard. Je suis ravie d'être avec vous donc aujourd'hui. Certains d'entre vous ont parlé avec des amis et ils ont entendu les descriptions qui ont été faites de Uber. C'est une application, effectivement, qui vous amène d'un point A à un point B dans une ville. Mais Uber n'est pas une application, c'est un service qui s'appuie sur une plateforme digitale en tant que centre essentiel de son activité. Mais le composant digital n'est pas l'essence du service. Alors, en matière de services que nous expérimentons de manière quotidienne, l'aspect digital est de plus en plus présent et la partie humaine de moins en moins visible, alors que nous sommes également dans un désir dans l'économie collaborative d'accroître ces échanges humains. Donc, les services qui financent en général la technologie digitale doivent garder un sens, garder le côté humain. Bien souvent, quand on utilise Google, c'est pas forcément le résultat qui nous importe, mais également l'expérience du voyage, de la recherche. Donc, l'homme, l'humain, se trouve au cœur du service. Ce que j'ai compris et ce qui est important de faire, c'est qu'il faut donner une couleur particulière à ce voyage et en faire une identité quand on fait la promotion d'un service. Par exemple, quand je vois les nouveaux services de livraison qui arrivent chez moi, eh bien, ça a beaucoup changé. Je me souviens très bien que ce n'est pas nouveau, effectivement, ces services. Mais la partie humaine, je me rends compte, est véritablement au cœur de ce service. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à beaucoup de concepteurs de services de San Francisco. Et bien souvent, les facteurs humains, lors d'un service, par exemple, de livraison de porte-à-porte, lorsqu'on essaie également de vendre des produits en porte-à-porte, eh bien, un des principaux heurts qui a pu apparaître, c'est de faire en sorte par exemple, sur un service de voiture, si l'on choisit une voiture qui est un peu différente, dans un système de location de voiture, on n'a pas toujours la possibilité de choisir ça, le modèle que l'on souhaite. Alors que je vois que ce sont par exemple des choses qui sont en train d'évoluer. On devrait être capable, on devrait pouvoir choisir son modèle de voiture. Mais lorsque on loue une voiture, évidemment, et qu'on s'installe au volant, bien souvent on se sent un peu idiot les 30 premières secondes parce qu'on n'a pas encore pris nos repères, on ne sait pas où se trouvent les choses.
Et je sais que je me souviens que c'est un commentaire qui revient assez régulièrement. Nous pouvons également comprendre en faisant l'expérience d'Airbnb, par exemple, dans tout ce qui concerne le domaine de l'hôtellerie, la commodisation de l'expérience d'hôtellerie a beaucoup changé. Lorsque nous visitons un nouvel endroit, bien souvent, l'accueil hôtelier est le même en Chine comme à Rome, alors que le concept d'Airbnb a fait évoluer cela. Nous avons ajouté une touche personnelle, un accueil particulier, et à ce moment-là, l'hôte devient effectivement le curateur de cette expérience de votre séjour. Ce qui me semble également important, et je pense que c'est à la base de beaucoup d'expériences entre pairs, par exemple avec Droibi, qui met la confiance au centre de son service, et dans d'autres projets encore, en Jordanie, que je viens juste de terminer, eh bien, je me suis rendu compte que les personnes qui devaient rembourser des prêts se sont rendu compte qu'il était plus pratique de se déplacer moins pour faire évoluer leur commerce de manière à ce qu'ils puissent rembourser leurs prêts. En ce sens, pour créer un service valable, il faut absolument garder en tête l'aspect humain et qu'il est important que l'interaction entre pairs par le moyen du service soit humain. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait que cela fonctionne. Il faut bien sûr incorporer les personnes lors d'un service, leur faire prendre un rôle actif, les rendre acteurs de cette expérience et de cette interaction. Nous avons besoin de faire la promotion, d'encourager les pairs et les personnes à mettre en scène, je dirais, de devenir curateur de cette expérience de service, puisque c'est une expérience qui passe évidemment par l'affect et par l'émotionnel. Et je pense que ça, c'est la clé pour créer des relations, des partenariats sur le long terme. Merci Stefano. Il y a un problème de micro. Micro. Problème de micro. J'ai donc le plaisir de profiter de ses services et on a eu un chef qui nous a cuisiné un repas fabuleux pour 4 personnes, qui nous a parlé de l'histoire de son quartier, qui nous a présenté à des gens de son quartier et a rendu possible la rencontre de différents chefs du même quartier. C'était vraiment une expérience fantastique. Je vous demande maintenant d'accueillir Camille Roumanie. Merci d'être venu aujourd'hui. Pardon, Céline Lazorte. Et je suis sûre que vous avez adoré dîner ensemble hier. Je suis ravie que ça se soit bien passé. Ce que nous faisons, c'est que nous mettons en contact des voyageurs dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Et on a commencé en 2014. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avions contracté quelques personnes, des amis, des membres de nos familles, parce qu'il fallait bien commencer quelque part, il fallait lancer cette communauté.
Et nous avons essayé de recruter des hôtes, des gens qui aimaient voyager, des gens qui aimaient cuisiner. Mais pour ce qui concerne la nourriture, il y a des gens qui appellent ça qui évoquent cette notion de dîner social. Brièvement, en juillet 2015, nous avions seulement 1 500 hôtes. Et cinq mois plus tard, nous en avions 15 000. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment, c'est un concept qui a très bien fonctionné. Il y a un site qui fonctionne dans quatre différentes langues. Et ce qui nous a semblé important, c'est que nous sommes rendus compte qu'il fallait apprendre à connaître nos utilisateurs. Parfois, on ne s'imagine pas le type d'utilisateur qui utilise nos services. C'est important de s'en rendre compte. Il y avait effectivement la génération baby boom qui devenait utilisateur, et bien souvent des femmes d'ailleurs. Et lorsque nous avons notre communauté qui a grandi, eh bien, nous sommes rendus compte que la population est extrêmement diversifiée, beaucoup de catégories professionnelles différentes. Et pour nous, ça représentait un défi d'arriver à satisfaire toutes ces catégories de personnes. Nous avons fait appel à des professionnels qui étaient capables de servir 20 personnes à la en même temps, nous avons également fait appel à des gourmets, puisque cela nous semble essentiel d'avoir des gens qui adorent partager leur passion. C'était une façon pour eux de faire un petit peu d'argent et surtout d'expérimenter cette interaction sociale en rencontrant d'autres gens. Parfois, il y a des chefs ou des professionnels qui organisent ce genre de choses, mais une fois par mois, ils ont ce désir de rencontrer d'autres personnes. Après cela, d'ailleurs, nous avons rencontré ce problème parce que nous avions énormément d'utilisateurs qui nous avaient rejoints. Et parfois, c'était difficile de satisfaire la demande. Alors, dans ces cas-là, il faut se poser les bonnes questions. Il faut absolument se refocaliser sur le cœur de valeur qui incarne votre service, de savoir de quelle manière on peut grandir de manière qualitative, mettre de côté peut-être les gens qui ne souhaitaient que s'investir qu'une fois par mois. Donc, comment est-ce qu'on procède à ça? Comment est-ce qu'on arrive à rencontrer et à satisfaire tous ces besoins et ces désirs? Quel type de valeurs pouvons-nous partager avec nos hôtes? Par exemple, le chef, on a eu des problèmes parfois avec quelques chefs qui n'étaient pas très loyaux, pas très réglo. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que nos valeurs transparaissent à travers les personnes que nous employons et avec lesquelles nous collaborons parfois même sur une base irrégulière? On peut parfois les contracter pour quelques mois et se rendre compte qu'ils ne travaillent pas dans le même esprit que notre communauté. Et pour nous, c'était important. On a dû faire le tri, on a dû prendre des gens qui correspondaient, qui partageaient surtout les mêmes valeurs que nous. Il a fallu les former pour qu'ils deviennent de meilleurs hôtes, qu'ils s'améliorent en cuisine, pour avoir des profils qui correspondaient plus à ce que nous recherchions, et créer une sorte d'émulation pour faire la promotion et faciliter la continuation et l'agrandissement de notre projet. Nous avons utilisé des vidéos, pour faire la publicité, nous avons utilisé les médias sociaux, et c'est vrai que ça a eu un grand succès. Nous avons créé également un programme de professionnalisation pour
former nos hôtes et les rendre plus autonomes. Bien souvent, pour des communautés qui déjà existantes, on dit qu'il est important de passer du temps avec cette communauté, mais c'est pas toujours le cas en réalité. Je sais qu'en Espagne, en France, en Italie, nous avons pris le temps de rencontrer nos hôtes et de comprendre exactement ce à quoi ils aspiraient. Pour voir aussi les types de services que nous pouvions ajouter à notre application mobile. Nous en avons discuté longuement. Nous avons effectué une série de tests pour s'assurer que nous engagions dans un partenariat au long terme. Alors, maintenant, ce qui est aussi possible, c'est de valider, quand un nouvel hôte arrive sur la plateforme, il y a toujours cette étape de validation. Bien sûr, la première fois, c'est toujours intimidant. Et on se demande toujours à qui on va ouvrir la porte, pour qui on a préparé ce dîner. Donc, c'est vraiment toute une expérience qui requiert de la confiance et qui évidemment demande de s'impliquer complètement. Bien souvent, on a remarqué que les hôtes avaient besoin qu'on facilite la partie réservation. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Et on a aussi compris qu'il fallait que les profils soient plus personnalisés, que ce soit aussi un outil de publicité, de promotion de leurs compétences. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est cette idée de soutien les uns avec les autres, mais aussi de manière tout à fait personnalisée. Et on sait très bien que ce qui est important, c'est de sentir que s'il y a un souci, s'il y a une inquiétude, les gens puissent se mettre en relation très facilement pour résoudre les problèmes. Et cela fait grandir notre communauté et cela nous rend à chaque fois davantage professionnels. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait grandir notre communauté, bien entendu. Et je sais que, par exemple, lorsque nous rencontrons des professionnels, des chefs, et que nous les aidons à prendre des très belles photos pour leur compte Instagram, par exemple, d'avoir des conseils, des concepts, ou par exemple, on décide que c'est un dîner qui ne doit pas prendre plus de 30 minutes de préparation. Nous avons également des réunions thématiques qui s'organisent. On fait ça à peu près 4 ou 5 fois par mois et nous nous réunissons. Et ça n'a aucune importance qu'ils soient chefs, qu'ils soient des gourmets. Mais nous pouvons ainsi continuer à faire vivre notre communauté en faisant en sorte que cela fasse sens. Et évidemment, ce que nous cherchons, c'est des gens qui partagent nos concepts et nos valeurs. Je vous remercie. Je suis de retour. Alors, quand on parle de conception, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont nées de cela. Mais cela, évidemment, peut amener à un grand consumérisme. Et il y a la proposition de services, mais bien sûr, on continue de toute façon à consommer beaucoup. Et nous avons, il faut bien se l'avouer, un grand défi auquel nous devons faire face à un niveau environnemental. Je sais qu'au Brésil, j'avais rencontré quelqu'un qui était étudiant, qui faisait un master en économie, Luis Santiago, qui est d'ailleurs présent avec nous et que j'accueille à l'instant. Oui, bonjour. Good morning, everyone. Bonjour. Bon dia. Bonjour Camille, merci Thomas. Je suis ravie de mon expérience avec mon hôte, ça s'est très bien passé. Pour initier cette conversation,
Je voudrais savoir qui n'a pas entendu parler de l'économie circulaire. Qui n'en a jamais entendu parler? L'économie circulaire, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Bien. La fondation que j'ai fondée est basée au Royaume-Uni. Elle s'appelle. Elle a été inspirée par Ellen MacArthur, cette femme qui naviguait sur les mers. Elle a eu cette vision. Et nous travaillons ensemble et nous trouvions qu'il y avait des parallèles dans nos activités. Et nous avons donc décidé d'aller rendre visite et de rencontrer des directeurs, des acteurs gouvernementaux pour essayer de voir quel était le modèle qui pouvait fonctionner sur le long terme. Et c'est comme ça que l'idée de l'économie circulaire est née. Le modèle initial que nous avons lancé ne fonctionne plus. Ça paraît assez évident. Et je n'apprends rien à la personne. Il est basé sur un modèle qui puise les ressources à l'infini de la planète, crée énormément de déchets. Et c'était comme ça que nous avons géré nos ressources depuis la révolution industrielle. Ça a fonctionné jusqu'ici et ça a engendré énormément de prospérité. Mais nous pouvons nous rendre compte que ce modèle économique a fonctionné là-dessus. On a pu apercevoir une décroissance sur le PIB, au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous avons pu observer de grandes réussites parce qu'elles avaient suivi ce modèle. Mais nous avons également pu voir qu'il y avait que le système vivant était menacé bien souvent au sein de ce système. Alors que nous grandissons, les indicateurs de développement économique, eh bien, nous émettons également beaucoup de carbone. Nous avons également grandi en dégradant l'environnement et en réduisant à néant la biodiversité. On sait que les secteurs gouvernementaux savaient, étaient au courant de ces changements qui étaient en train de se passer. Et je le sais parce que j'ai travaillé dans le domaine de la durabilité, j'ai été consultante dans beaucoup de différentes industries et je sais que nous jouions la montre. C'était évident, on essayait d'éviter de se remettre en question et nous n'avions pas été assez proactifs dans l'idée de trouver des solutions. Et après 2000, il y a eu beaucoup de changements dans l'économie. Dans les années 2000, après tout le grand boom et le développement de ces pays émergents comme l'Inde, comme le Brésil, eh bien, on s'est rendu compte que la croissance était encore plus forte, plus développée. Mais on s'est aussi rendu compte que le système économique était en train de se modifier. Le Brésil connaît une récession et c'est la première année avec un pays qui était considéré comme un pays émergent encore jusqu'il y a quelques années. C'était d'ailleurs souvent dû à des activités d'extraction minière. Donc, on sait très bien que cela met les économies en danger et que cela concerne des milliards de personnes qui vivent grâce à ces activités. Et l'urbanisation, évidemment, est un facteur.
Bien entendu, nous savons bien que la troisième édition de ce festival est là pour nous faire parler de modèles de développement, d'entreprise, d'économie, qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de nouveaux, de nouvelles entreprises qui naissent tout le temps et qui cherchent à se développer, et nous cherchons à utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir mettre en place ces nouveaux modèles à travers différents processus. Et ça se passe en parlant, en se rencontrant. Et la quatrième révolution industrielle pourrait bien avoir déjà débuté. Il y a tellement de technologies qui mènent à des changements drastiques actuellement que parfois c'en est étourdissant. Donc cette idée d'économie circulaire provient d'une idée de régénération par la conception. Il s'agit d'arrêter d'utiliser des économies sur le court, qui ne fonctionnent que sur le court terme. Bien sûr, il faut aussi penser à des économies qui soient viables et non dommageables pour la planète sur le long terme, et également qui sont bénéfiques d'un point de vue social. Bien sûr, il s'agit toujours de penser à cette idée d'arrêter cette surconsommation et de penser à ce que l'on fait de tous nos déchets. Ça fait partie, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement au niveau de l'environnement, c'est aussi dans notre manière de construire cette économie au cœur même du modèle. Cela fera en sorte que les systèmes fonctionneront mieux sur le long terme, dans les villes, dans la société et sur la planète. C'est un système qui se cherche de manière à fonctionner et être tout à fait complet. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait une nouvelle idée. Il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent depuis déjà un certain nombre d'années dans les universités et qui sont venus avec des propositions. L'économie de performance, je pense notamment à cela. Des écoles de pensée sont en train de se créer avec des nouveaux concepts qui évoluent au fil du temps. Le diagramme que vous voyez ici, vous pouvez vous rendre compte, au milieu, il y a un modèle linéaire des ressources renouvelables. Et ici, ensuite, vous voyez le cercle, vous les vendez et ensuite, vous pouvez les réutiliser en passant par le recyclage. Cela prouve bien qu'il y a un véritable besoin à insérer dans ce système. Il y a beaucoup de modèles de développement, des moyens qui permettent d'exploiter plus à fond les ressources. Et il faut travailler main dans la main avec les entreprises, les start-up, les gouvernements pour essayer de développer ce concept d'économie circulaire. Et jusque-là, je trouve que nous avons pas mal réussi. Ce diagramme donne une idée des différentes générations de valeurs qui se font au sein même, au cœur même du système. Ce n'est pas seulement de l'environnement qu'il s'agit, c'est tout simplement les modèles eux-mêmes, les modèles théoriques qui sont réfléchis, qui sont pensés pour que l'on évite d'instaurer beaucoup trop d'aspects qui ne respectent pas l'humain, qui ne tournerait pas l'humain et qui, ce qui nous apporte également toujours, c'est d'avoir cette conscience de l'environnement et d'essayer au maximum de respecter et de le restaurer. On a décidé d'ailleurs, vous avez remarqué le terme de consommateur et d'utilisateur, ça c'est un changement dans la terminologie qui s'est effectué dans les dernières années. Et je sais que ce sont ce genre de valeurs qui sont en train d'être insérées petit à petit dans les différentes entreprises. Si on souhaite pousser un peu plus loin cette idée-là,
Il s'agit d'une boucle interne qui permet de garder ces valeurs et de les faire circuler, de les régénérer. J'ai été, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une consultante en durabilité et j'avais bien remarqué en discutant avec les présidents de différentes entreprises qu'il était très difficile, très compliqué pour eux de modifier leurs entreprises. Alors que moi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel quand on parle d'entreprises qui utilisent 70% des ressources dans le monde. Eh bien, c'est essentiel d'arriver à ce qu'elles puissent ajuster le tir. Moi, je pense que c'est un modèle qui respecte le cycle de la vie et qui surtout met l'accent sur cette idée de régénération. J'ai essayé d'avoir une approche systémique. Nous avons travaillé avec des analyses, tous les concepts, tous les savoirs, tout figure, tout est présent sur notre site web. Le Forum mondial économique fait également partie de nos intérêts, de nos centres d'intérêt. Ce que nous souhaitions vraiment, c'était de créer un nouveau type de professionnel et de faire en sorte que nous ayons une majorité d'acteurs qui viennent s'ajouter et faire fonctionner, faire démarrer ce système d'économie circulaire. Nous organisons des festivals. Il y a maintenant un festival qui a lieu chaque année, mais nous souhaitons également être en lien, en contact, en dialogue avec des gouvernements, d'autres entreprises comme Google, Philips, Cisco. Nous avons maintenant un énorme réseau avec une compétition collaborative d'innovation qui s'est créée, qui réunit énormément de start-up et de gouvernements et d'académies et d'entreprises, d'organisations, pour se transformer en un espèce de laboratoire vivant de transition. Et lorsqu'on travaille par exemple avec l'Union européenne, eh bien, nous avons travaillé sur un package en décembre dernier qui travaillait sur ce concept d'économie circulaire que nous souhaitions mettre en place. Bien sûr, ça passe également par la presse avec un certain nombre de publications. Et donc, c'est ce que je peux vous dire, que c'est ce en quoi nous croyons, c'est notre credo. Nous avons ce désir de travailler sur des nouveaux concepts, de rendre l'ancien consommateur, utilisateur et producteur à la fois et leur permettre une plus grande marge d'interaction. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'en rediscuter avec vous. Je serai ravie de vous avoir parlé de mon sujet. Merci.